pas parler que de la boxe thaï, sport individuel. Quelqu'un qui le pratique, c'est vraiment pour son aspect personnel. C'est vraiment pour c'est prouver à soi-même. C'est pas prouver aux gens, c'est prouver à soi-même. Quand on a un poids sur les petits jeunes, etc., il vaut mieux les guider dans le droit chemin, c'est-à-dire de faire les bonnes choses, pas de prendre des mauvaises décisions, je dirais. Se positionner en tant que dans le rôle du grand frère, en fait. Dans le rôle du grand frère qui n'a pas envie que ses petits frères fassent la même chose que lui ou des erreurs par lesquelles lui il est passé, etc. Et ouais, je pense que lui, comme moi, comme beaucoup de boxeurs, on se positionne lui beaucoup comme des exemples et on va dire plus aussi comme des grands frères. Parce que ces gamins, la plupart, ils n'ont pas de grands frères, donc ils sont livrés à eux-mêmes, on va dire. Il y a beaucoup de personnes, ils ont commencé à mal tourner, en étant rentrés dans la boxe, etc. Dans la boxe thaï, ils ont eu un esprit de compétition, etc. Ils sont mis dans le sport et voilà, par la suite, c'est devenu des gens. Je dirais plus par rapport aux parents, au lieu de laisser les enfants à l'abandon, il faut mieux les encadrer. Les encadrer, pas spécialement les enfermer à la maison, c'est de leur amener faire du sport. Ça peut être du collectif ou de l'individuel, ce qui leur permet de s'extérioriser et d'avoir une autre vision de la vie. Après, l'envie se provoque, il faut lui donner l'envie. Je pense qu'aujourd'hui le problème qui se pose, c'est que ils n'ont pas assez de dans les quartiers, les services jeunesse, etc. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour les encadrer au niveau des subventions, etc. Donc c'est ce qui manque réellement dans les quartiers. Vous savez, un gamin de 12, 13 ans, 14 ans, il faut lui donner l'envie, il faut lui provoquer l'envie de quelque chose. Mais lui provoquer avec quelque chose, si on n'a rien dans les mains, s'il n'y a pas de matière, on ne peut pas le faire. Je tiens à remercier tout particulièrement l'association AR et Images pour tout le travail qu'ils font au niveau des jeunes, etc. À Lamine Camara, un big up. À Louarid qui est là parmi nous. Bientôt mon pote.